Les élections sénatoriales version 2023 se sont tenues ce dimanche 20 août sur toute l'étendue du territoire national congolais. Dans le département de Pointe-Noire, ils sont près de 85 conseillers départementaux et municipaux constituant l'écurie des grands électeurs qui ont pris d'assaut l'hôtel de ville de la place. Et ce pour accomplir dans la légitimité leur devoir civique en vue de départager 10 candidats en lice dans la course vers la chambre haute du Parlement. Un scrutin qui, du reste, s'est passé dans les règles de l'art, tant il est vrai qu'aucun incident majeur a été signalé. C'est bien organisé. Dès 6 heures, ils étaient là, les organisateurs étaient là. Nous sommes arrivés aussi à 6 heures, 7 heures là. En tout cas, ils étaient déjà là, tout est prêt, tout a été prêt. Ça se passe très bien. Et tout se déroule très bien. Les représentants des candidats sont là. Ceux qui sont en charge pour la gestion de l'élection sont également là. Et tout se passe très bien. Tout se passe très bien. Nous avons voté dans la sérénité, dans la tranquillité. Et nous attendons les résultats. Un peu plus tard, dans l'après-midi, les résultats sont tombés. Sans grande surprise, les 6 candidats de la majorité présidentielle se sont octroyés la grande part du lion, écrasant de très loin les autres prétendants avec beaucoup de suffrages raflés. Ainsi, Christian Didas Bongolo-Dumar arrive en tête avec 84 voix, suivi de Wilfried Nguesso du Club 2002 et Pierre Justin Makosso du RDPS, 81 voix. Cependant, Zambila, Odette Massoussa et Victor Foudi, tous du PCT, ont eu respectivement 72 et 71 voix. Comme qui dirait, les consignes de la campagne électorale ont trouvé large écho du côté de la majorité présidentielle. Désormais, les 6 candidats élus de Pointe-Noire vont siéger au niveau du Sénat renouvelé, avec bien sûr la nette conviction de mieux représenter la majorité présidentielle au sein de cette institution. Et c'est dans l'intérêt de voter des lois qui puissent favoriser le bien-être des Congolais.